recrue d'émotion. Il vient de réaliser le énième exploit de sa carrière. Pour sa dernière apparition à Bercy, il a sorti Krychtine au premier tour. Henri a enthousiasmé le public avec lequel il entretient des relations privilégiées, notamment les jeunes qui l'idolâtrent. Qu'est-ce que tu penses, Henri Lecomte, hein? Ben, c'est un bon joueur, il place bien les balles. Quand il est bon, c'est que il peut gagner contre n'importe qui. Complètement, il enflamme. Lecomte, c'est un joueur qui me fait rêver parce qu'il est combatif, puissant et toujours présent, quoi. Henri Lecomte a déployé sa générosité habituelle face à Krychtine, qu'il redoute au plus haut point. La tâche de Lecomte fut facilitée par un service de métronome. Le joueur français le plus populaire réussit un nombre impressionnant d'aces. J'ai retrouvé mon service, quoi. J'ai servi incroyable. 30-0 dans le dernier jeu, je suis allé sur une deuxième. Bon, ça fait très très longtemps que je n'ai pas servi comme ça, quoi. Henri Lecomte a conservé son toucher de balle et s'est montré à son avantage dans l'approche du filet. Les démons de l'attaque se sont réveillés. Krychtine est dubitatif. Lecomte, magnétisé par le filet, construit sa victoire à la hussarde sous le regard inamouré de la torera Marisara, son épouse. Il conclut le match en 2-7 comme il a commencé, stoïque et fier. Le public exulte, Henri Lecomte magique l'a fait une fois de plus rêver. Me retrouver à Bercy ou à Roland-Garros ou en Coupe Davis, j'ai pas besoin de beaucoup de matchs pour me mettre dans le coup, j'ai besoin de me sentir bien, de sentir le court, de sentir l'atmosphère, le public, et aujourd'hui ils ont été fantastiques. Au prochain tour, Henri Lecomte affrontera Sergi Bruguera, ligné de fond de court. Pour espérer l'emporter, Henri devra faire parler sa vitesse d'exécution et sa passion.